Yo Shao est sur le point de crever. Et toi, Messan Yang, morale à fond, ça c'est une bonne chose. Morale à fond, possibilité de refaire un duel. Allez, vas-y. C'est risqué, je sais, mais j'aime les coups de poker dans ce genre. Ah, il veut plus! Putain, je crois que c'est la première fois que je vois Xiaoba refuser un duel, quoi. Mais alors, Xiaoba, tu veux plus jouer? Tu t'es senti humilié par une femme la dernière fois, du coup, maintenant, t'as pas envie que ça se reproduise? Ah ouais, j'imagine que ton orgueil en a pris un coup. C'est dommage pour toi. Ah, bref. Mais pour le moment, Zhuge Liang ne sert à rien, du coup. En même temps, j'ai pas envie spécialement qu'il bouge. Ce serait bien quand même qu'il se rapproche de la porte. Parce que c'est vrai que du coup, il y a une grosse ouverture sur le camp de ravitaillement, le dépôt de ravitaillement, j'y avais pas pensé. Et ce serait bien que je conserve l'ennemi sous surveillance. Zhongyu est toujours à la porte, c'est pas un problème. Du coup, ils sont vraiment complètement cons. Oh. Zhongfei, il a déjà récupéré... Ah non, c'est Liu Liu qui a déjà récupéré sa volée. C'est abusé, quand même. Bon, bah on va la réutiliser, hein. De toute façon, ça fait mal. Même s'il n'y a plus beaucoup de troupes à tuer. Moi, j'aime bien voir ça. Touché coulé. Je vais regarder côté Zhao Yun parce que ici c'est limite ennuyeux quoi. Ouais, il y en a un petit peu plus déjà. Il n'y a pas tant que ça, mais c'est toujours un petit peu plus intéressant. Qui prend tellement cher. J'aime voir ce genre de choses. Et bim! Ok, next. Il faut tout de suite déterminer la suite des événements. Zhonghe va être très dérangeant. Il faut donc... l'éliminer au plus vite. Non! Conservez votre position. Zhonghe est débile, il viendra par lui-même. Ou pas. Je vois.
Attends, ils ont fait... On a... Liu Liu est en train de tirer. C'est bien, ça. Bon, bah, Zhao Yun, il faut que tu montes sur, sur lui. J'espère que ça va aller. Je ne vous laisserai pas tomber. Et dans le pire des cas, bah, on aura Zhangfei qui pourra soutenir à l'arc. Mais le mieux, ce serait l'encerclement, évidemment. Je vais essayer de contrôler moi-même Zhangfei parce que je sens que ça va être un peu la galère. Déjà, effectivement, on peut pas rentrer. On peut toujours pas. Bon, je risque de me retrouver en bataille contre l'autre, là. Ouais. Il y a des chances que ça se termine comme ça. Oh! Père, donnez-moi la force! Oh, Xeoba, tu te calmes. Bon, bah, on s'est retrouvé contre Xeoba. C'était pas exactement ce que je voulais, mais bon. D'un autre côté, du coup, il va être battu beaucoup plus vite. Laissons les troupes ennemies se rapprocher. On puisse refaire une autre volée de la part de Liu Liu. Ici, j'ai un peu peur quand même. Ah, j'ai récupéré quelque chose. Un duel. Voyez-vous ça? N'essayez pas de vous cacher. Voyez la puissance de Zhaoyu. Je n'ai pas de temps à perdre. Qu'est-ce qu'il a dit? J'ai compris, je n'ai pas de temps à perdre, mais qu'est-ce qu'il a dit avant? Bref, ralliement. Le bon droit de notre côté, nous n'échouerons pas. Vos exploits seront récompensés. Bien. On a un relement à la fond. On place toi derrière. Ce serait bien que Xunyu traverse la porte parce que pour le moment Zhuge Liang il sert à rien quoi. C'est un peu dommage. Et puis là faut que c'est... Non non. Il faudrait que la bataille avec mais sans Niang Xeoba, faudrait que ça se termine en fait. Qu'on puisse aider Zhao Yun avant qu'il se fasse niquer. Terminer très vite. Le moral est en chute libre. Hein.
L'ennemi était vaincu, nous avons gagné de l'aura et de l'expérience. Bien, donc toi tu franchis la porte, ce qui fait que, mon cher Zhangfei, tu dois pouvoir... je te dis que tu dois pouvoir... Non, il n'y a vraiment aucun moyen, tu peux pas... Bon, dans ce cas, j'espère que Luo Luo va bien tirer sur Zhanghe. Et pendant ce temps, Meisan Yang, il faut que tu encercles Zhanghe. Dépêche-toi de franchir la porte. C'est fait. Bien. Go. Très bien, nous arrivons. Ouais, bah dépêche-toi. Parfait. L'encerclement est possible. Plus les flèches, ça devrait aller. Pour la pluie de météores, je vais l'utiliser, je pense. Là, je vais récupérer une autre tactique aussi. C'est le duel, ouais, mais il n'y a personne ici. Laissons-les se rassembler un peu, tout seuls, comme des grands. Allez, venez, rassemblez-vous, les gars. Rassemblez-vous bien. C'est toujours ça de prix. C'est pas énorme, mais on va s'en contenter. Bon, par contre, si ça continue, Zhugaliang, je pense que je vais peut-être le faire bouger de la porte nord. Je sais pas. Pour le moment, ça maintient l'ennemi en échec, donc c'est utile, mais... On va voir. J'ai peur que si je quitte la porte nord, en fait, ils en profitent pour attaquer le dépôt de ravitaillement. Ce qui n'est pas franchement le moment. Et là, comme il y a une menace à la porte nord, ils osent pas bouger. Mais si j'attaque la porte nord, comme vous le savez, Zhugaliang, il y a... de très fortes chances qu'il se fasse défoncer. Donc bon. Là, la situation est préférable ainsi. Donc, la bataille est dure contre Zhanghe, quand même. Je vais aller côté Zhao Yun, apparemment. Notre cher ami, ou plutôt ennemi, a fait un ralliement. Moi aussi, je peux le faire, bâtard. Je peux même le faire deux fois. Je veux juste me rapprocher du centre. Hop là. Là, je touche plus de monde là. Un peu plus par là, non? Ouais, on va dire que ça va le faire. Vos exploits seront récompensés! Merci Kaimao. Mais là... Ouais... Si, on sait, bon, on leur met cher quand même. C'est vrai que Zhao Yun, par contre, je pourrais plus trop me servir de lui. Hein. Ça a été assez éprouvant pour lui.
de Zhangli est en chute libre. Yes! L'ennemi a été vaincu, nous avons gagné de l'aura et de l'expérience. Bon, donc si... On ne se trompe pas. Donc si Mayi doit être possible à attaquer de deux côtés à la fois. Donc Zhao Yun, toi. Tu vas aller te placer ici pour ne pas gêner. Zhangfei, tu vas directement aller au nord. Ouais, de ce côté-là. Mais Sanyang, il faut que tu ailles, toi, de ce côté-là. Liu Bei. Ah bah alors toi, je sais pas trop quoi faire avec toi. Ce serait bien d'occuper Xiaodun, à la limite. Ouais, je pense que, en fait, ouais, c'est ça, faudra que tu occupes Xiaodun, mais pas maintenant. Pour le moment, on se concentre sur la stratégie. Alors bon, là, j'espère qu'ils vont pas se gêner les uns les autres, par contre, parce que l'IA est tellement con dans ce jeu. Zhao Yun a l'air de bouger. Ah, mais Sanyang a appris ralliement, ça va être utile. Allez, bouge. Putain, 3 heures pour se retourner, quoi. Allez, les mecs, on se casse, là, maintenant. Maintenant, Zhangfei devrait pouvoir bouger. Allez, Zhangfei, tu bouges ou pas, là? Putain, mais les mecs... Ils sont bloqués. Je vais les aider un peu, parce que là... C'est bon, maintenant? Ça annule l'objectif ou pas? Oui, ça annule l'objectif, évidemment. Bon, on va avancer tout seul. Voilà! Non, le carré, c'est bien. Changer d'objectif. Maintenant, c'est bon, vous pouvez y aller ou comment ça se passe? Alors, par contre, il faudra que l'attaque soit simultanée, donc il faut pas faire trop les cons non plus. Zhangfei, tu vas rester en attente assez longtemps. Bien. Mais sans nuance, on va se mettre sur toi. On va s'assurer que tu avances bien. Voilà, maintenant on a cessé de se gêner, on peut avancer. Eh ben, c'est laborieux hein, de vous donner des ordres, bande de cons. Le moral remonte assez vite quand même quand on quitte le champ de bataille. Bon à savoir ça. Xiaodun localisé, ce crétin n'a pas bougé d'un pouce depuis tout à l'heure. Ok, alors Zhangfei, fais gaffe quand même. Peut-être pas trop s'approcher non plus. Simayi localisé. Ok, stop. On bouge plus. On ne bouge plus. Voilà. Vous ne bougez plus. Vous restez là. C'est bien, les gars. Mais Sanyang ne devrait pas tarder à arriver à son objectif. Tu te mets à peu près à l'équivalent opposé de Zhangfei. Et Liu Bei, ben... Ouais, Liu Bei, il va falloir que t'occupes Xiaodun, quoi. Ouais. Et du coup, Zhou Gaiyang, je pense que je vais le faire s'occuper de Xunyu, mais c'est assez limite de faire ça à une porte. Surtout pour Zhou Gaiyang.
Mais là, je vois pas trop comment utiliser Zugayan votre mort. On n'aura pas pu vraiment s'impliquer dans la bataille dans ce siège. Maintenant que vous y êtes, vous pouvez lancer votre attaque simultanée. Messan Yang Zhangfei, on y va. Alors, Messan Yang a de fortes chances d'arriver avant. Bien. Ok, alors... Zhangfei, tu conserves ta position. Je voudrais juste, avant d'aller au combat, que Messan Yang ait le temps d'utiliser son duel, déjà. Qui veut oser se mesurer à moi? Allez, venez. Je n'accepte pas ce duel. Évidemment. En tant que mage, tu n'acceptes pas les duels. Soit. Donc, je veux juste balancer la pluie de météore. Et tu peux faire un ralliement, ouais, mais ça sert à rien pour l'instant. Ce sera utile quand on aura un peu moins de morale. Maintenant, Zhangfei, tu peux lancer l'attaque conjointe. Tenez bon, je serai bientôt là. Mais qu'est-ce que tu branles, Zhangfei? Je vais le faire à la main. Faut croire qu'il a du mal à faire les choses tout seul. Pas vraiment le temps d'attendre que monsieur se décide. Ok, allez, la volée. Et ensuite, tu peux faire duel et raid. Bon, duel déjà. Je vous accorde l'honneur d'un duel avec moi. Acceptez. Je ne peux pas abandonner mes troupes. Oui, tu peux jamais abandonner tes troupes, Yuejin. Tous des incapables. Bon, j'aimerais bien contrôler les Zhangfei, c'est possible ou pas? Merci. Alors le raid aura pas autant d'impact que si j'étais sur l'unité principale, mais tant pis. Je suis votre pire cauchemar. C'est vraiment pas drôle. Vous savez quoi, je pense que je sais ce que je vais faire de Zhao Yun. Je vais le faire aller... Bah oui, il peut passer par là en plus.
je vais faire aller au dépôt de ravitaillement. Et toi, Zhuge Liang, c'est toi qui vas t'occuper de Xiaodun. Comme ça, t'auras une utilité. Et du coup, je pourrais même limite mettre Liu Bei en plus au dépôt de ravitaillement. Parce que de toute façon, Liu Bei, il aura pas vraiment d'utilité à rester ici. Donc ouais. Liu Bei, tu peux aussi aller au dépôt de ravitaillement. Ça, Zhuge Liang va pouvoir faire usage de ses sorts et gagner un petit peu d'XP surtout. Zhang Yue aussi va pouvoir les utiliser au passage. Je sais pas si Léon aura le temps de faire tout ça. Si Maï prend tellement cher, il sera peut-être mort avant la fin. Mais sans doute, tu vas pouvoir utiliser un petit ralliement là. Histoire de pas laisser l'ennemi perdre trop de morale. Puis j'ai un mur de fer en plus. Avec le mur de fer pour me protéger d'un sort de Sima Yi. T'as pas l'air trop motivé à les utiliser en plus, c'est nickel quoi. Ah, au niveau moral, ils prennent tellement cher que ça. Ça n'aura pas le temps quoi. Eh ben, ça aurait été laborieux. Je sais pas combien de temps ça fera. En tout cas, ce sera divisé en deux épisodes, c'est sûr. Deux épisodes assez longs, à mon avis. Peut-être même trois, ça se trouve. C'est vrai que j'ai du mal à me représenter le temps que j'ai passé là-dessus. Voilà. Ah ouais, t'es comme ça, toi. Pour l'honneur et la gloire. Soit. Raté. Qui rassemble des soldats. Non, monsieur. Oh putain, je l'ai boulé. C'est beau. Crève, bâtard! C'est bon, ils ont franchi les portes là-bas, là. Bon, bah, Zhuge Liang, t'y vas.
Simaï, il résiste bien quand même. Il en met du temps à crever. Ça en devient presque énervant. Ah, c'est le moral en chute libre là. Il y a presque plus de soldats. On voit beaucoup de cadavres rouges sur le sol, hein. Pardon. Ah, j'ai récupéré quoi? Un ralliement. Bon allez, pour le plaisir et pour l'XP que ça rapporte aussi. D'avoir un moral plus élevé aussi, c'est... ça rend nos attaques beaucoup plus violentes et les leurs beaucoup moins efficaces. Oh, il est mort lui. Putain, mais Simaï, il utilise pas le moindre sort, c'est de la folie quoi. Rien pour s'en sortir. Vaincu, yeah! La victoire est à nous. Le général ennemi est vaincu! Nous avons gagné! Franchement, ils ont été nazes. Tout ça pour un mauvais placement. Avec cette terre, je créerai un nouveau monde! Notre armée a grandi depuis notre victoire. Bien sûr, comme toujours. Forces de Liubé sont passées de 32 à 36, les provisions de Liubé sont passées de 45 à 52, les compétences militaires de Liubé sont passées de 50 à 57, les officiers ayant survécu ont gagné de l'XP, cavaliers lourds de Messanyang devenus cavaliers d'élite, les fantassins lourds de Kaimao devenus fantassins en armure, les lanciers de Fazeng devenus lanciers lourds.